travers ce nouveau film, les éditions du Cabri et Télérail vous proposent de découvrir le réseau ferroviaire italien. Pays méditerranéen par excellence, il est très touristique, avec ses régions de Vénétie, Toscane, sa capitale, Rome, et son sud ensoleillé. D'autres zones ont par contre une activité industrielle plus marquée, en particulier dans le nord, à Turin, Milan et Gênes. Le réseau des chemins de fer italiens, Ferrovie dello Stato, FS, désormais transformé en Trenitalia, voit donc circuler des trafics très variés. Pour accéder à l'Italie, les amateurs français disposent de trois liaisons différentes. La principale est celle du Fréjus ou du Mont-Cenis, qui relie la région lyonnaise et la Savoie avec le Piémont. Cette ligne, ouverte la première entre la France et l'Italie en 1871, traverse les Alpes par un tunnel de 13 600 km. Son trafic voyageur international est surtout composé depuis 1996 par des TGV Paris-Milan, secondés jusqu'en 2002 par des rames italiennes OTR 460, les Pendolino. Celles-ci, jugées plus utiles dans d'autres régions d'Italie, seront remplacées prochainement par des OTR 500, aptes à circuler à grande vitesse sur la ligne TGV française. Le trafic de cette liaison Lyon-Turin est essentiellement marchandise. La mise en place d'une expérience de ferroutage et la construction d'un tunnel de base de plus de 50 km y sont d'ailleurs envisagés. Autre liaison importante, celle de la côte, qui relie la Provence à la Ligurie, par Nice et la ville frontière de Ventimiglia. Malgré la mise en service récente d'un vaste triage marchandises, le trafic qui y circule concerne surtout les voyageurs. Des trains vers le sud-ouest de la France et l'Espagne y prennent naissance, côté français, et vers Rome, Milan et la Suisse, côté italien. Le trafic local régional voyageur y est aussi très important. La troisième liaison franco-italienne, très connue mais à vocation plus régionale, est désormais exclusivement affectée aux voyageurs. C'est la ligne du col de Tende qui relie la Côte d'Azur et la Riviera italienne au Piémont, à travers les Alpes du Sud, par le tunnel du col de Tende, long de plus de 8100 mètres. Cette ligne est très touristique. D'ailleurs, les amateurs suisses et allemands y font souvent circuler des convois spéciaux. Ligne spectaculaire, elle n'est qu'une succession de tunnels et viaducs qui traversent d'impressionnantes vallées sauvages, tout en desservant un chapelet de villages perchés typiquement méditerranéens. La SNCF a bien compris l'intérêt touristique de cette desserte en créant en 2002 le Train des Merveilles, liaison commentée, composée de véhicules spécialement décorés entre Nice, Breil et Tende. Pour les amateurs, signalons à Breil la présence de l'Écomusée des Transports, qui abrite une collection originale de véhicules ferroviaires et routiers.